Le bassin du lac Tchad est confronté depuis plus d'une décennie à une insurrection armée du groupe Boko Haram qui a provoqué d'importants déplacements des populations et exacerbé leur vulnérabilité. Malgré de fortes actions militaires, les États du bassin du lac Tchad, conscients que la réponse à la crise ne peut pas être que militaires, ont adopté la stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience des régions du lac Tchad affectées par la crise Boko Haram. Le PNUD, en discussion avec ses partenaires, a mis en place une facilité régionale de stabilisation pour les quatre pays. Depuis le lancement de ce projet au Niger, d'importants résultats ont été obtenus par l'entremise du gouvernorat de la région de Diffa pour les villages de Bosso, Gagam, Baroa et Tam. La réhabilitation des écoles, des centres de santé, des infrastructures hydrauliques, des marchés hebdomadaires et de bétail, des logements et de la provision des moyens économiques sont en cours. Les principaux objectifs assignés à ce projet sont de restaurer la sécurité dans les zones de retour des populations, rendre disponibles les services sociaux de base et mettre à la disposition des populations affectées des moyens économiques en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. À ce jour, les résultats continuent d'être très positifs, comme le témoignent les acteurs. Abyss est un fonds de stabilisation du bassin du lac Tchad. Qu'est-ce qu'il y a, alhamdoulilah? 1. La construction du marché. Guinée-Guinée Kassoua. Sunzo Suna Saki Guinée-Aman Kassoua Moudetala Lati. Likita, Anna Gyarata. Lokolikim, Anna Gyarasu. Anzo, Anna Mana Ayuka Wanda. Qu'est-ce qu'il y a, Moudakamu Bamu Tabatunani Watarana. Bosso Zata Zama Hakanamba. Vraiment, les jeunes sont très vulnérables. Moumatasa. La vulnérabilité, c'est nous. Comment est nous et comment à Dibama? Quoi les spécialités? J'ai réglé le taux de chômage. Nous avons commencé ce projet par quatre villages importants. C'est des villages assez stratégiques qui ont un effet d'entraînement sur les autres villages. Et donc, si nous arrivons à réaliser les phases prévues pour ces quatre villages, nous allons passer pour les secondes phases qui vont concerner d'autres zones de la région. Pour le moment, c'est un projet, ce qui est rassurant, ce qui est le plus satisfaisant, c'est un projet qui a l'adhésion des populations concernées. Quand nous avons rassemblé les chefs des différents villages, de ces différents villages, pour leur annoncer la nouvelle, vraiment, leur adhésion a été totale. Vraiment, c'est le lieu et manière toute notre reconnaissance et notre satisfaction, d'abord à l'endroit du PNUD et à travers le PNUD à tous les partenaires qui sont derrière ce projet et qui sont en train d'aider les populations et d'appuyer le gouvernement du Niger. Au vu de l'engouement suscité par ce projet au sein des populations concernées, il est sans doute loisible de constater que cela leur apporte déjà un impact positif dans l'amélioration de leurs conditions de vie.